merci beaucoup, France, et bon matin à tout le monde. Bon début de semaine, c'est un lundi pluvieux, mais ça fait rien. Il reste juste 196 jours, je pense, maintenant. Écoutez, au nom de toute l'organisation du Congrès mondial acadien, je suis là pour dire merci aux gens qui se sont embarqués avec nous. Et un des volets que nous trouvions très, très important, c'était effectivement ce volet un peu sérieux d'un congrès mondial acadien. On avait dit il faudrait quand même que ce soit plus que juste un grand party. Il faudrait aussi qu'on se serve de ce congrès mondial acadien-là pour réfléchir sur les enjeux qui nous touchent de près. Alors, si vous avez eu la chance récemment de regarder la programmation du Congrès mondial acadien, c'est pas moins de 7 colloques ou conférences et 3 grands rassemblements qui vont avoir lieu du 8 août au 24 août. Moi, je crois qu'on avait fait un pari que les gens voudraient effectivement organiser des choses. Et on a gagné ce pari-là dans le cadre du Congrès, si bien que on a des colloques sur l'énergie, on a des colloques sur l'Acadie, on a des colloques sur bien des choses. Et, effectivement, ce matin, on est là pour un colloque bien particulier qui est celui sur les sciences infirmières, qu'on est très, très content, évidemment, d'accueillir dans le cadre du Congrès mondial acadien. Content pour plusieurs raisons, parce que, ma foi, dans un congrès mondial acadien, on pourrait ne pas s'attendre de parler de sciences infirmières comme telles, mais pourquoi pas. C'est un élément très, très important de l'institution dans laquelle nous sommes actuellement. Je pense que c'est un élément très, très important du campus d'Edmonton, de l'Université de Moncton. Et nous, on s'est dit donc à la lumière de ça que c'était absolument important d'avoir ce colloque-là à même le congrès. Aussi, je dois vous dire qu'on a fait beaucoup de conférences de presse sur les colloques, mais c'est rare qu'on avait autant de jeunesse avec nous. Donc, c'est agréable de voir que les étudiants et les étudiantes vont aussi travailler à ce colloque-là, donc en quelque sorte travailler au Congrès mondial acadien, au succès de ce Congrès mondial acadien-là. Et ça, on se le disait tout à l'heure, la clientèle des Congrès mondiaux acadiens, c'est souvent un petit peu plus âgé. Donc, nous, c'était vraiment un défi qu'on s'était donné aussi d'essayer de faire en sorte que les jeunes s'y intéressent. Donc, même si c'est par une porte un peu détournée, ça fait notre affaire et ça va faire l'affaire de tout le monde. Alors, je sais, je le dis depuis que je parle dans ces colloques et conférences-là, je suis toujours très impressionné par la brochette d'experts qui vont être en Acadie des terres et forêts du 8 au 24, c'est renversant. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous préparons actuellement juste une affiche qui va juste montrer tous ces gens-là qui vont intervenir dans le volet sérieux du Congrès mondial acadien du 8 au 24. Et quand vous allez la voir, vous aussi, parce que là, on la voit en pièces détachées, mais quand vous allez la voir tout ensemble, vous allez être aussi impressionné que moi, j'en suis certain. Donc, je sais qu'on va nous présenter une programmation de haut niveau. Je suis très, très content d'accueillir cette programmation-là dans le cadre du Congrès. Je souhaite un énorme succès à ce Congrès-là, ou en fait, à ce colloque-là, comme à tous les autres. Et je vous remercie encore une fois d'accepter de jouer le jeu avec nous. Merci. Merci beaucoup, M. Charest. J'inviterai maintenant Mme Francine Marquis à venir nous dévoiler le programme d'activité de ce colloque sur la profession d'infirmière. Merci, mon homonyme. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence ici ce matin. C'est très apprécié. Alors, j'aimerais saluer tout particulièrement M. Maxime Carrier, représentant de la ministre Madeleine Dubé. Madame Lynne Précartin, représentante du ministre Bernard Valcourt, Monsieur Jacques-Paul Couturier, vice-recteur au campus, Madame la doyenne Pierrette Fortin, du campus Edmonton de l'Université de Moncton, et Monsieur Léopold Charest, directeur général du Congrès mondial acadien 2014, et finalement,
tous nos partenaires des régions de l'Acadie du Monde, c'est-à-dire le comté d'Aroostook au Maine, Témiscouata au Québec et le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Le comité organisateur du colloque La profession infirmière, regard historique, analyse du présent et orientation pour l'avenir se tiendra les 21 et 22 août prochains dans le cadre du Congrès mondial acadien 2014, ici même au campus d'Edmundston de l'Université de Moncton. J'ai jamais été autant photographiée de ma vie. Alors, nous sommes très heureux des activités et nous désirons vous partager l'ensemble des activités qui auront lieu dans le cadre du Congrès mondial acadien. Et, tout particulièrement, en ce lundi 12 mai 2014, ce lancement revêt une signification tout à fait particulière, puisqu'aujourd'hui est le jour de l'anniversaire de naissance de Florence Nightingale. Là, vous allez bien me demander où je m'en viens et où je m'en vais avec ça. Mais alors, cette infirmière britannique, pionnière du nursing contemporain, mais qui était aussi statisticienne, chercheure et très engagée politiquement. Son anniversaire correspond donc à chaque année à la Semaine nationale des soins infirmiers au Canada et dans plusieurs pays à travers le monde, dont la profession infirmière s'est développée sous son influence, évidemment, de Mme Nightingale. Nous n'aurions donc pas pu choisir un meilleur moment pour l'activité de ce matin. Au cours de ces deux jours de conférence, la première journée portera, entre autres, sur l'évolution historique de la profession infirmière, notamment au sein des trois territoires regroupés dans le cadre du Congrès. Par la suite, des experts de la profession et des personnes de domaines connexes intéressés par le domaine de la profession infirmière ou de la santé présenteront les résultats de leurs recherches, de leurs projets de développement et de leurs réflexions en ce qui a trait aux soins directs aux patients, à l'enseignement de la science infirmière, à la gestion des soins infirmiers, la pratique infirmière avancée, le professionnalisme, les politiques de santé, la santé des populations et les services de santé et la santé des femmes, évidemment. La conférencière d'ouverture sera Mme Rachel Barr, et pour ceux qui ont à peu près mon âge se souviendront d'elle comme l'une des diplômées de l'École d'infirmières de l'Hôtel-Dieu d'Edmundston, en fait, en 1971, je ne suis pas certaine qu'elle aimerait que je dise ça ce matin, là. Elle a contribué au cours de sa carrière à l'évolution de la profession infirmière au Nouveau-Brunswick, puis toi, Léopold, tu dois la connaître, évidemment. Notamment à santé mentale. Elle a œuvré à titre d'infirmière de chevet, d'enseignante et de gestionnaire dans le domaine de la santé mentale et elle y a beaucoup contribué. Et elle a aussi été sous-ministre adjointe de plusieurs portefeuilles, dont celui portant sur l'enseignement postsecondaire, la formation, le travail et l'environnement, ainsi que sous-ministre adjointe chargée de la santé publique et des services sociaux au Nouveau-Brunswick. Elle a été élue présidente de l'AIC, et elle en fut ensuite la directrice générale jusqu'à tout récemment. Elle a aussi représenté le Canada et siégé au Conseil international des infirmières. Et bien sûr, pour cette immense contribution, elle a reçu plusieurs reconnaissances de diverses instances. La conférencière principale de la deuxième journée, évidemment, nos collègues américaines de l'Université du Maine à Fort Kent nous ont suggéré Mme Suzanne Gordon, qui est une auteure américaine et journaliste indépendante, reconnue tant aux États-Unis qu'à l'étranger, qui s'est intéressée au système des soins de santé, à la profession infirmière et aux enjeux touchant les femmes. Elle jettera donc un regard critique et inspirant sur la profession et les soins de santé. Du Québec, nous recevrons également deux conférencières, dont Mme Suzanne Durand, qui est la directrice de développement et soutien professionnel à l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, ainsi que Mme Sylvie Haynes, qui est directrice de la planification et des soins infirmiers du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. Nous allons donc réfléchir sur la place de la profession et son devenir dans le cadre du contexte actuel des soins de santé. Nul ne peut poursuivre sa route sans considérer les multiples facteurs pouvant à la fois freiner son élan et le propulser. Il faut ainsi saisir toutes les occasions qui vont nous permettre de grandir et ce colloque se veut donc un lieu de réflexion et un tremplin pour l'avenir. Dans cette Acadie du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, la profession infirmière a pris naissance grâce à des personnes qui, comme Florence Nightingale, ont pris l'engagement de dispenser des soins à une population qui, à l'époque, était démunie de ses services. Je parle donc ici des religieuses hospitalières de Saint-Basile, fondatrice du premier hôpital au Nord-Ouest, mais également de la première école d'enseignement infirmière au début des années 40. Et ses sœurs Saint-Charles, pour les plus vieux que moi-même,
qui en fut la première directrice. Et je voudrais dire que l'épouse de Léopold est également infirmière, donc on est sur des terrains connus. Par la suite, la première infirmière laïque a accédé à la direction de l'école d'infirmières, et Mme Yolande Lepage-Cyr est ici présente, alors Mme Cyr est juste ici, qui fut enseignante et directrice de l'école d'infirmières de l'Hôtel-Dieu d'Edmundston et de l'école de formation infirmière d'Edmundston de la fin des années 60 jusqu'en 1996. Au cours de sa carrière, elle a siégé à de multiples comités reliés à la profession et aux services de santé, tant au niveau provincial que national. Elle a notamment été présidente de l'INB de 1985 à 1987. Pour son engagement et son apport à la profession, en 2008, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada lui a décerné l'un des 100 prix de son centenaire. Elle a aussi obtenu un doctorat honorifique de l'Université de Moncton pour l'ensemble de sa contribution. À cet égard, nous avons donc demandé à une des hospitalières, Sœur Thérèse Mulleran, ici à Saint-Basile, et à Mme Yolande Lepage-Cyr, si elles acceptaient d'être co-présidente d'honneur de ce colloque. Et je les remercie très sincèrement d'avoir accepté. Merci beaucoup. Sœur Mulleran. Sœur Mulleran ne pouvait pas être ici ce matin, ils sont en retraite cette semaine. Pour leur contribution, finalement, j'aimerais remercier nos partenaires de l'Université du Maine à Fort Kent, de l'Université du Québec à Rimouski et évidemment l'ensemble de l'Université de Moncton, Campus d'Edmundston, du Réseau de santé Vitalité zone 4 qui est représenté par Mme Josée Soucy, je ne sais pas si elle est encore, elle est juste là, oui. Et finalement, le CMA 2014, toute l'organisation du Congrès mondial acadien, merci infiniment. En terminant, nous convions les infirmières, les infirmiers, étudiantes et étudiantes et toutes les personnes intéressées à la profession infirmière et aux soins de santé à participer à ce colloque. J'aimerais souligner les membres du comité organisateur, vous les voyez à l'écran, de l'Université du Maine à Fort Kent, il y a Erin Soucy et Jenny Radzma, qui sont membres de la Faculté des sciences infirmières, à l'Université du Québec à Rimouski, Guy Bélanger et Emmanuel Jean, à l'hôpital, il y a Noëline Lebel. Ici, il y a Manon Tina Aymon, Manon Rouet-Bourgoin, Juan Manuel Toro-Lara et Michael Dubé qui nous ont grandement aidés à l'organisation de l'ensemble de ce colloque. Alors, merci à vous tous, au comité organisateur. Finalement, merci à tous. Bonne journée, bon congrès, bon colloque, mais bon congrès mondial acadien. Et le dernier mot, c'est pour souhaiter une bonne semaine nationale des soins infirmiers à toutes les infirmières, infirmiers, étudiantes et étudiants dans le domaine. Pendant toute la semaine, nous célébrons notre profession. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, Mme Marquis. J'inviterai maintenant M. Michael Dubé, adjoint à la direction générale et coordonnateur du volet colloque et conférences, à venir vous dire le mot de la fin. Donc, bonjour à tous. C'est un plaisir ici de prendre la parole ce matin. Le Congrès mondial acadien 2014 peut compter sur le soutien de l'Université de Moncton comme un partenaire majeur dans le succès et dans l'organisation du Congrès mondial acadien. Donc, en plus nous donner la chance de travailler dans un milieu universitaire stimulant, on peut profiter du rayonnement de l'institution aussi. Mais, en plus de tout ça, l'Université de Moncton, Campus d'Edmundston, nous offre son expertise et son savoir-faire dans l'organisation de 3 de nos grands colloques et conférences. Donc, aujourd'hui, il y a le colloque en sciences infirmières qui démontre que le campus a su se doter au fil des années d'une faculté de sciences infirmières à la fine pointe de la technologie. Et je crois que ce colloque-là aussi va vraiment démontrer l'excellence et toute la pertinence de cette faculté-là. Il y a quelques semaines aussi, on a lancé le colloque forestier, tout comme sciences infirmières, l'école de foresterie, pardon. La réputation n'est plus à refaire. C'est une école de foresterie pertinente, moderne. Et finalement, le colloque, l'Acadie dans tous ses défis, bien, démontre que l'UMCE est très présente en sciences sociales, en sciences humaines, artistiques, linguistiques et littéraires, avec la qualité des grands conférenciers que ce colloque-là va offrir, ça démontre vraiment qu'il est encore pertinent de s'interroger sur le devenir de l'Acadie. Bon, moi, j'aimerais remercier l'Université de Moncton, Campus d'Edmundston. J'aimerais remercier aussi tous les gens qui collaborent et qui contribuent sur les comités... Pardon, c'est lundi matin. Sur les comités organisateurs, parce que vraiment, c'est vraiment avec ces gens-là que ces comités font en sorte que les colloques avancent. C'est un travail qui est bénévole, c'est un travail qui de bon vouloir, et moi, j'en profite encore une fois pour les remercier.
Donc, je vous invite à consulter la programmation, le site web du Congrès mondial acadien aussi, qui sera mis à jour très régulièrement, au fur et à mesure que les programmations de nos colloques sortiront. Et celles-là de sciences infirmières, de foresterie et de l'Acadie dans tous ces défis sont déjà en ligne. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Donc, c'est ce qui conclut cette conférence de presse. Les divers intervenants seront disponibles pour les entrevues pour les médias. Donc, encore une fois, merci d'avoir été des nôtres ce matin et à la prochaine. Bonne journée.